Au 87 de la rue de Rome, Madame Lina était une locataire paisible. Les six pensionnaires de sa maison close ne faisaient pas de tapage nocturne. Mais Madame Lina a dû fermer. Elle et son grand Daniel sont passés de l'alcôve à la cellule de prison. Ils sont partis en laissant des regrets. Ça me dérange pas, moi, chez Nico Hugo. Moi, vous savez, moi, le premier, si j'avais su, j'y serais peut-être allé. Hein, point final. Du moment que j'y trouve mon compte. Lina, la styliste, avait su remettre à la mode des pratiques ancestrales. Entre la tasse de thé et le boudoir, monsieur faisait son choix. Des plaisirs coupables qui ne prendront jamais de rides. Qu'il faudrait les ouvrir. Pour quelle raison? Ben parce que c'est meilleur et moins de dégâts dans les rues. En 1946, Marthe Richard interdisait les maisons closes. Le sexe choc a remplacé le sexe chic. Près de la rue de Rome, Pigalle industrielle étale ses néons. Décidément, la nature s'amende des costumes qu'elle veut. Ah.